résumé vous est présenté par Pepsi Max et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Directement là très haut. Mais là ça va finir par rentrer là avec un beignet d'air qui peut la donner encore. On est trop collectif et là maintenant la frappe déviée. Ouais. Petite joute verbale. Alors on est dans les duels, on est présent. Ouais, absolument. Absolument. Volante. Bam, pas mal. Et la reprise, c'est but. Mais la voilà, tiens. La possibilité et l'occasion et l'ouverture du score par Wissam Ben Yedder. C'est assez logique. Autant au match aller, l'ouverture du score des Ukrainiens était normale. Autant celle-ci est un peu plus logique. Elle est très logique parce que pendant 20 minutes, ils ont eu la mainmise. Ils ont pressé très haut. Ils ont gagné les duels. Et là, ce qui m'étonne un petit peu, c'est cette défense qui est apathique pour l'instant du côté du Shakhtar. Ouais, ça passe Enrique. Oh, belle balle, c'est goal. C'est but et Monaco passe devant à la 38e. Mais franchement, ce Shakhtar, on leur a donné du Prozac, c'est pas possible autrement. Ils sont mous, ils perdent tous les duels. Et très honnêtement, c'est que c'est 0-2, ça pourrait être pire. Hein. Ah, ça pourrait être pire parce que là, ils sont en retard sur tout. D'abord, la première fois sur le centre et puis sur la récupération du centre. C'est assez surprenant de voir tous ces joueurs qui ne bougent pas, qui sont apathiques complètement. Vraiment dans les duels également. Piatov, mais il est à l'image de son équipe, il dort. Est-ce qu'il va la voir? Non. Ah, il manque un peu. Oh, elle est courte, elle est courte, elle est très très courte. Ben Yedder, oh c'est génial. Oh, c'est pas vrai. Quel raté. Il fait le plus dur, le geste est impeccable. Bien joué. L'entrejeu, encore une fois, ça s'est pas mal fait. Magnifique. Et là, le but de la qualification ou pas. Ben Yedder, de nouveau un rendez-vous manqué dans son face-à-face avec Piatov. Ah, mais son contrôle n'est pas bon. Son contrôle est... C'est étonnant d'un joueur d'expérience comme ça. C'est pas un problème, normalement. Donc le PSG a mis une somme pour le départ de Kylian Mbappé au Real. 220 millions. Ici on est à 30, ici on est à 30 et c'est pour l'instant l'égalisation de Marlos avec un changement gagnant. Il a fait de la maîtrise, il la retrouve. Et absolument, il faut la mettre hein, parce qu'il décroise, donc on pense qu'il va enrouler au deuxième poteau, non pas du tout. Mais très honnêtement, au vu de l'ensemble de la rencontre, les Monégasques méritent encore une superbe balle. La remise, elle est belle. Et la reprise, ils vont au bout. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible de rater un but pareil. Il est tellement fatigué. C'est mieux que ça. Est-ce que c'est pas un signe, ça? Est-ce que c'est pas un signe quand on rate des buts comme ça? Il n'y a pas de hors-jeu, là. Il peut y aller. Il doit y aller. Il y va ou pas, ce ballon avec Volante encore une fois. Est-ce qu'il va cadrer? Oh, quelle occasion! Il cadre de nouveau. Ben Yedder qui la voyait au fond, qui se dit si j'avais été là, ce serait dedans. Non, Piatov. Ah, c'est un arrêt magnifique, Marc, vraiment. Yedder le voilà, Volante. Lucas, il va aller. Aïe. Midrug bien vu. Ah, là ça peut faire mal. S'il accélère, oulala, l'appel de Midrug, là on n'a pas compris. Il continue, il passe, il y va. Et le coup de quoi, ça va au fond. C'est but. Oh, c'est pas vrai. Mais ce sera vraiment lui, Midrug. Le chaînon manquant, ou Mudryk plutôt. Il avait raison, Deserbi. Il avait raison de le prendre à part à la mi-temps de cette prolongation et lui dire c'est toi qui vas faire la différence. Mais quel bol de
voyez ce que je veux dire. Mais la vitesse, Marc, la vitesse tout simplement. Donc là, c'est un contre-favorable parce qu'on l'a provoqué. C'est vrai que c'est de la chance. Mais depuis qu'il est rentré, on sent qu'il peut faire la différence. On sent qu'il fait mal. Il n'est pas très, très adroit depuis. D'ailleurs, c'est la chance. Il reste 7 minutes, c'est vrai, c'est pas fini. Et Guillaume, il est rentré. Ah oui, ça c'est complètement la malchance. Ce résumé vous a été présenté par Pepsi Max. Et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.